Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je suis tellement contente. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que je devrais faire à chaque fois que je pars en voyage et que je ne fais jamais. Nous allons préparer des looks pour partir en Corée. Alors juste après, je pars au Japon pour ceux qui n'ont pas trop suivi ou qui seraient nouveaux sur cette chaîne YouTube. Tous les ans, je pars en Corée et au Japon à la même période. C'est vraiment la meilleure période, il commence à faire chaud, il fait beau tous les jours. C'est incroyable. Comme je pars toujours très longtemps, en règle générale, je pars 2 mois. Là, j'ai quelque chose en juin qui fait que je dois rentrer un petit peu avant. Donc je vais partir à peu près 1 mois et demi. Et en règle générale, je voyage beaucoup trop... J'allais dire beaucoup trop léger, mais non, du coup c'est l'inverse. Je voyage avec beaucoup trop de bagages. Donc aujourd'hui je me suis dit, vous savez quoi, nous allons préparer des tenues pour la Corée. Alors ça va être un défi pour moi parce que je ne suis pas une styliste. Et on va essayer de créer des tenues à partir de tout ce que j'ai dans mon dressing. Prendre des petites photos pour que au moment où je prépare ma valise, tout soit prêt. Et que je sache exactement ce que je prends. Que je vois s'il faut que je crée d'autres looks, est-ce que j'ai assez de tenues, est-ce que j'ai assez de trucs. Voilà, c'est un peu un rêve, c'est un peu un truc genre, je suis débordée dans ma vie, j'ai plein de choses à préparer pour mon voyage. Et je passe une après-midi à préparer des looks pour partir comme si de rien n'était. Oui, c'est vraiment ce genre de vidéo. On a préparé un setup dans le salon. Enfin, on n'a rien préparé, il y a un portant vide. Mais en gros, on va tout mettre et on va tout essayer dans le salon. Mais du coup, il faut prendre... Attends, viens, regarde la météo. Normalement, il commence à faire chaud. On est d'accord que c'est un peu mal vu d'être... Bon, vous pouvez faire votre vie hein, quand vous êtes au Japon, en Corée. Mais genre les dos nus, les épaules vraiment très dénudées, les décolletés et tout, c'est un peu mal vu. Donc... Il fait beau avec environ 20 degrés. Et là, il va faire quand même de plus en plus chaud. Ouais. Donc, ça va être ambiance t-shirt... Pas de manteau, que des tenues confortables. Tu vois, il y a des trucs comme les bandeaux, mais je trouve que c'est plus mon délire. Et en même temps, je vais mourir de chaud si je mets pas des trucs comme ça. Et ça, il faut mettre avec une chemise. Ouh là, je sens que cette vidéo, elle va être des blazers, ok. Ça oui, ça c'est sûr que ça sert toujours. Et je pense qu'il faut quand même prendre un pull genre comme ça chaud, parce que s'il fait froid, et au pire même, je le mets sur mes épaules. Jean, il faut pas trop serrer, parce que ça va être une horreur sinon. En fait, il fait tellement humide là-bas que tout te colle à la peau. Après, est-ce que je suis pas un peu dans l'excès? Il fait pas si chaud aussi? S'il fait chaud. Pantalon noir très long. Ça, c'est un peu lourd, mais c'est ok. En vrai, tous ces shorts, c'est ok, je pense. Moi, je pense que ça, c'est bien, ceux-là aussi. Et lui, il était grave. Ah oui, c'était le problème. C'est vrai. Marina connaît mieux mon dressing que moi. Mais tous ces shorts, c'est grave bien. Il faut juste que je trouve des chemises qui vont bien avec. Ah, il faut qu'on fasse une sélection chaussures. Ça, je pense qu'il faut les prendre. Mais le problème, donc ces chaussures sont absolument incroyables. Mais deux choses. Je trouve qu'elles rendent direct une tenue archi classique. Après, encore une fois, je ne suis pas styliste. Donc je pense que ça joue beaucoup dans l'histoire. C'est ma taille. Mais l'élastique, je fais un pas, il s'en va. Ça les rend immétables. C'est horrible. Donc là, si je les prends, on les fait reprendre. Basket verte, en vrai, obligée. Ouais. Je pense. Je me dis toujours, je vais forcément sortir, je vais forcément si, donc je prends toujours une paire de talons, une paire de machins, et je ne sors jamais. Et quand je me dis, je sors jamais, je vais pas prendre une paire de talons, je sors. Et là, en vrai, maintenant on a un peu des amis en Asie, donc peut-être qu'on va sortir, mais du coup, quelle paire de chaussures? Bah ça va dépendre des tenues qu'on prévoit peut-être. Des petites sandales, qui pareil me défoncent les pieds, mais je vais pas commenter. Et des petites... Claquettes. Mais en fait, je me dis, est-ce que j'ai le droit de mettre ça, tu vois? Genre, est-ce que c'est ok dans une tenue? Je sais pas. Pas avec ça. Je suis tellement pas styliste. Putain, on est toutes... J'ai choisi la pire personne pour faire cette vidéo. Vraiment. Je sais pas comment on va réussir à faire cette vidéo. Ok, on va y arriver, on va réussir à faire cette vidéo. J'y crois. Déjà, je vais mettre le t-shirt blanc. T-shirt blanc, déjà, ça va super bien avec ce pantalon. Je fais grave pyjama, mais... Ouais, mais c'est le mood. Je pense que ça va être dégueulasse avec, mais je tente. Au cas où. Oula. Mais je pense que jamais on arrivera à la caler cette chemise. Hein. En fait, c'est un délire d'être large. Ok, donc c'est un long. Mais là, typiquement, soit il faudrait une chemise blanche ou la chemise qui va avec. Parce qu'il y a une chemise qui existe comme le pantalon. Tu penses que c'est bien? Moi, j'aime bien. C'est lunettes de soleil, c'est tellement la Corée. Première option, je pense que c'est pas du tout adapté. Ah, en vrai, option blanche. Hein. Mais en même temps, dans le style, je pense pas. Parce que là, on est sur un style un peu genre... Ouais, et là, ça fait plus... pas ça. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Oh mon dieu, le stylisme. Ça va pas du tout ensemble. Non. Je pense que ce qui va, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'elles sont noires. Mais dans le style, c'est mieux. En même temps, est-ce que ça choque? Non. J'adore. C'est ma paire de lunettes préférées au monde. Du coup, en fait, je vous explique. Vous allez me donner votre avis en commentaire parce que je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Mais franchement, je me sens grave moi-même parce que l'année dernière, on avait essayé de préparer des tenues. J'avoue que je me sentais pas moi-même. Dites-moi quand même, est-ce que vous voyez une différence entre il y a quelques temps, mes vidéos, et maintenant, dans mes vêtements? Genre, est-ce que j'ai l'air plus moi-même ou pas? Parce que là, je me sens grave moi-même. Voilà. Ok, donc ça, est-ce qu'on valide ou pas? Moi, j'aime bien. De toute façon, il va falloir avancer parce qu'on est là pour la même. Premier look,
Validé. Deuxième look avec toujours t-shirt blanc. Mon t-shirt blanc. Alors là, ça se complique. Non, je rigole. Après, t-shirt blanc, franchement, on peut tout faire. La galère, c'est les chaussures. Je suis nulle en chaussures. Mais il est horrible ce short. Il est transparent. On dirait une scout. C'est à vomir. Avec les chaussettes. C'est trop moche. Je veux réussir à trouver des tenues que j'aime bien, mais je suis nulle. Ça, c'est sûr que tu vas le mettre. Pantalon noir. Ouais. Pantalon noir. Il est trop bien, juste il est très large. En vrai, t-shirt blanc, c'est ok, mais je pense qu'on peut ouais, faire mieux. Ouais. Non. D'accord. C'est deux ambiances. Ça n'a rien à voir. Sauf que là, ça fait tout de suite beaucoup plus décontracté le gris. En fait, le seul truc qui me fait peur, et en fait, je me dis, est-ce qu'il faut pas que j'arrête avec ça? C'est de me dire, je vais être encore habillée comme tous les jours. Mais bon, à un moment, je vais pas m'inventer de garde-robe. Oui. Donc on s'en fout. Juste, je prévois les looks, même si c'est des looks que je mets tout le temps. Ouais. T'aimes bien ou pas? Oh ouais, bah, c'est un t-shirt gris avec un pantalon noir, quoi. Mais le truc, c'est essayer de le rendre un peu plus. Waouh. Par exemple, ça, c'est une mauvaise idée. Ouais. Parce que là, on rentre dans un ouais. truc très dark. Ouais. Et si j'essayais plutôt avec ça? Non. Non. Ça, c'est très basique, quoi. On n'a pas tout cassé avec cette tenue. Quelles chaussures? Ah oui, c'est ça le problème. Ces chaussures sont très belles. Bon, déjà, elles font mal aux pieds. Mais le vrai problème de ces chaussures, c'est que c'est vraiment trop... À des souhaits. C'est vraiment trop moche quand t'as pas un pantalon long. Ouais. Mais alors, on dirait que je suis en randonnée organisée par Decathlon. Et là, genre, c'est super beau. Ça fait un petit délire. J'aime bien ce délire. Ok, avec quel sac? Mais après, il faut s'ouvrir à de la couleur. Okay. Fais voir avec le noir. L'instagrammeuse de base. L'instagrammeuse de base également. Mais c'est un déjà un peu plus cool. Je pense que si t'avais mis un t-shirt blanc, le sac jaune, il serait encore plus ressorti. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. C'est ignoble. C'est hyper fade. C'est le fait que ce soit manche longue, ouais, non? Je pense. En fait, c'est ses lunettes avec ce pantalon qui vont pas. Mmh. Je préfère ses lunettes. Ouais. Celles-ci, elles sont trop belles, mais elles sont tellement. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que ça fait un peu Instagrammeuse. Okay. C'est horrible de dire ça comme ça. Mais. Tu préférais gris? Ouais. Mais c'est peut-être parce que celui-là, il est pas serré aussi, le t-shirt blanc. Ok, bon. Prenons-le en photo. Ouais. Si on essaie de faire des trucs avec cette robe. Ah ouais, de ouf. C'est un défi. Je trouve ça trop stylé. En gros, c'est une robe Jerf Avenue. Du coup, c'est pas du tout mon style. Mais ça pourrait le devenir. Le problème, c'est que je suis habillée tout en noir. Putain, c'est chiant. Je suis vraiment pas fun. Est-ce que quelqu'un peut me rendre fun? Et en même temps, là, ça fait un peu trop classique. Non, mais après, ça dépend ce qu'on met. Genre, par exemple, ça. Je pense qu'il faut plus les plates. Ouais, je suis d'accord. Mais ça risque de me faire des vieux ouais. pieds. Oh, quelle horreur! C'est horrible! Vous voyez ce que je voulais vous dire là, en mode randonnée? Regardez mes pieds, j'autorise le zoom sur mes pieds, regardez bien mes pieds là. Ils sont horribles, c'est une horreur. Là déjà, c'est mieux, mais ce qu'il faut pas faire, c'est de se dire ah bah là c'est trop beau, mais est-ce que je vais mettre ça? Jamais non, jamais. Sauf au Japon avec des potes pour un resto, tu vois. Mais qu'est-ce que je mets en haut pour que ce soit détendu? Et ça, par-dessus. Ah non. Je sais pas, j'essaye mais je pense que c'est une mauvaise idée. Bah en vrai, avec la robe c'est pas choquant mais pas avec ses chaussures. Ouais, je suis d'accord. Genre je pourrais totalement me balader comme ça. Mais ça fait très coréen, non? Ouais. Là on dirait vraiment que je vais à la plage. Ouais. Ça va pas. J'aime c'est bien. Une chemise blanche qu'il faut. J'aime trop. En vrai même celle-là elle passe si j'avais que ça. C'est ok. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je suis tellement blanche. T'as vu mes jambes? Là c'est cute. Ouais, j'aime bien. Mais le problème c'est vraiment les chaussures. Je suis pas... En fait j'aime bien en même temps j'aime pas. J'aimerais si j'avais une paire que je pouvais mettre tous les jours. Ça, je vais faire 3 minutes de marche avec ça. Je pense qu'on va investir dans deux choses après cette vidéo. Une chemise blanche et une paire de sandales beige. Ça, ça va être beaucoup trop large. Cette chemise, j'allais pouvoir la caser. Quelle horreur. Là, j'ai vraiment 50 ans. Ouais. Juste, on n'a pas de chaussures, quoi. Genre, c'est bien, mais c'est pas waouh. Ouais, je suis d'accord. En fait, je trouve que c'est pas assez féminin. Bah, je trouve qu'on perd tout le côté un peu... Genre, la robe, elle est quand même moulante. Ouais, je savais pas comment elle dire. Est jolie. Mais limite, faudrait mettre sans rien. Mais là, c'est trop tout mieux. Tu te souviens, l'année dernière, quand on essayait les tenues, quand on bloquait sur une... C'est que c'est de la merde. Non, oui, mais faut quand même la prendre en photo. Et des fois, après, avec le recul, on se disait, putain, mais celle-là, on aurait dû la mettre avec des chaussures comme ça. Bon, ça c'est une tenue pas trop validée. On a fait une pause de 5 heures pour essayer de trouver des chaussures blanches. Au final, on n'a rien trouvé, ça nous a mis un bon coup. Trouvons un autre truc pour faire la tenue. Ah mais je vais avoir encore le même problème de shoes. Ouais. Ok. C'est sans fin. Mais bon, on peut quand même essayer. Je pense que je vais tout essayer avec mes petites claquettes comme ça et puis on verra bien. Ou avec tes chaussons. Le problème de cette jupe, c'est qu'elle est tellement transparente. Et ce haut aussi, peut-être que la tenue globale est un peu trop transparente. Ouais. Du coup, je me sens un peu nue dans la rue. En vrai, c'est joli, hein. C'est joli, mais le haut, il est trop transparent. Je trouve que ça met pas en valeur la jupe. Oula.
Mais le bas, c'est... C'est vraiment transparent. C'est tellement transparent, la jupe. On a un problème. C'est beau, hein. Moi, j'aime bien. Avec une chemise blanche. Ouais. Ah, j'aime. J'adore cette tenue. En plus, c'est clair, ça me rend très heureuse. Et je trouve que les chaussures, elles vont bien avec. Ouais, ça me choque pas non plus. Et du coup, en lunettes de soleil, je pense que ça peut passer. Mais après, ça fait pas too much blanc, là. Bah, pour moi, c'est soit elles, soit celles qui sont légèrement rosées. C'est très basique, ça. Ça rend la tenue très basique. Et les jaunes, c'est pas mal, non? Je sais pas. Je préfère. J'aime pas trop. Donc ça, on n'a pas de... lunettes. Ça casse tout le côté décontracté. Ouais, ouais. En fait, c'est sans lunettes, cette tenue. Ouais, je pense. Tu veux pas essayer le bandeau à la place du... Ok. Yeah. Alors? C'est mieux si c'était un bandeau qui allait jusque là. Et s'il était beige? Je sais pas. J'essaye de mettre mon corps comme ça. De rentrer ton corps dedans. Mais je pense que c'est mieux. En fait, je préfère que ce soit ouvert. En... Ouais, prends la photo comme ça. Ok, j'aime. Est-ce qu'on n'essaierait pas avec genre une chemise mais fermée? Je suis pas sûre. Mais qui ne tente rien à rien. J'essaye de me rassurer avec des petits dictons. C'est super drôle parce que genre on n'est pas... Genre vraiment on a d'autres choses à faire. Si je peux dire ça comme ça. Et on est là avec notre déni, on fait des looks, genre on prend des photos. Là t'es vraiment la daronne de Versailles. Si elle est devant... Elle doit être devant à 16h comme ça. Tu veux pas essayer de la rentrer complètement? Complètement mais juste devant. Non, non. Conseil de merde. C'est ok en vrai, non? J'aime bien, mais j'adore la couleur de la jupe avec la couleur de la chemise. Mais il y a un truc qui me gêne, mais je sais pas quoi. Sinon faut rentrer là. J'essaye un truc, je suis pas dans la mode. C'est stylé comme ça. J'aime trop. Même tu sais une chemise courte là. Comme ça c'est beau, hein. C'est... Là c'est trop beau. Oh, j'aime bien cette tenue. Trop beau derrière. Il faut faire un autre look avec cette chemise, cette jupe. Le problème c'est vraiment les chaussures là, je m'en rends compte, c'est un gros souci. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah, est-ce qu'on essaierait pas la jupe avec un blazer? Bandeau long, c'est moi, j'aime bien. Mais les chaussures là, c'est un problème. Ouais, ouais, de ouf. On dirait pas, tu sais, genre à la fin d'une soirée, t'as pris la première veste, genre en plein été, tu vois, et tu rentres comme ça. Oui, genre là, ça me paraît un peu bizarre, mais je pense qu'il faut sortir un peu de... Genre regarde les associations qu'on vient de voir là juste avant. Non mais là, attends, là, Marina, on part en couille. On dirait que tu t'es déguisée. On dirait un déguisement entre les chaussures. La jupe transparente, la veste serrée qui... Ok, ça va pas, ça va pas. C'est trop beau. Putain, ça change, mais c'est trop beau. J'aime trop cette chemise, mais est-ce que c'est pas ça qui fait que plus rien n'est féminin? On perd tout le truc de la robe. Ouais. Juste pour mettre par-dessus par un blazer. Ouais. Mais le problème de ce blazer, il est trop bien. La forme, elle est très comme ça. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Beaucoup mieux. Et même genre, même si tu le mets juste sur tes épaules, tu sais, sans rentrer les bras. Ouais. Mais c'est trop beau. Même avec les chaussures, c'est trop beau. Après ça, vraiment, si je sors comme ça, c'est impossible. Genre là, c'est comme si je sortais nue en France. J'aimerais bien avoir un petit truc féminin. J'ai un truc. J'ai ma chemise noire comme ça, un peu satin. C'est mieux. Là, franchement, je préfère. Parce que du coup, on voit quand même la robe. Mmh. Juste, pour quelle occasion je vais mettre ça? Pour un dîner le soir. Pour un dîner le soir. Un dîner le soir. La journée, on est d'accord que c'est trop. Ouais. J'ai pas l'habitude de sortir comme ça. Genre là, tu me vois sortir ici comme ça? Ah non, pas ici. Donc je mets ça où si je peux pas mettre ça là-bas? Dans un endroit où tu passes pas par l'extérieur. J'ai réfléchi. Chez toi. Sinon, j'ai un truc vraiment en Thaïlande, quoi. Mais au Japon, genre si t'as un dîner ou... Ouais, mais avec un truc. Ouais. En vrai... Moi, j'aime bien. Je te jure que c'est... j'aime trop. Ça, on est un petit look de soirée. Par contre, vraiment, j'ai un problème de couleur. Tout est hyper... sombre. La chemise violette. Le problème de la chemise violette, ça m'attire. Ouh, le mélange. Oh, oh mon dieu. Alors là... Mais attends, c'est quoi cette forme, là? C'est horrible. Aïe. Est-ce que je mettrais pas ça en robe? Parce que le problème, c'est qu'il y a des épaulettes, mais je peux les enlever. Bah alors, vas-y. Vas-y, dis. Les épaulettes, c'est une catastrophe. Ouais. Vraiment. Je comprends la vibe, mais sur moi, c'est une catastrophe. Ouais, là, ça va pas. Mais en vrai, je me dis que avec une jupe, tu vois ta jupe noire, s'ils en font une blanche, avec un autre petit haut blanc, et ça par-dessus, est-ce que ce serait pas joli? Attends, je me projette là. C'est les chaussures qui font que c'est dégueulasse. Du coup, ça fait très ouvert, très nu. Très pyjama. C'est dégueulasse. Je sais pas comment on réussit à faire cette vidéo.
Je suis sur autre chose. Là, faut clairement mettre une chemise parce que je suis à poil. Ouais. Mais limite, c'est là où il faut faire des petits mélanges. Faut essayer. Ça fait, oh, ça fait un peu safari. Ouais. Mais c'est pas choquant, hein? Non. Ce mélange de couleurs. Attends, viens chez avec le blazer. En vrai, bien repasser le short. Ouais. C'est bien. Mmh. Le problème, c'est les chaussures. Ouais. C'est trop moche. Trop bien cette histoire de chaussures. Et tu veux pas essayer une paire de baskets? Ouais. Je sais pas. À la fois, c'est un délire. Ouais. Et en même temps, j'ai des trop gros mollets pour faire ça, je pense. Je te jure que t'as un problème avec tes mollets. Mais il est profond le problème. Regarde. Tu vois ou pas? Non, je vois pas. Si. Non, je te jure que si. C'est pas du tout féminin. On est d'accord. Bah moi je trouve que c'est pas choquant. Le fait que du coup ce soit court, genre limite on sait pas trop si c'est un short si en dessous. Si je suis à poil, ça crée un peu de mystère. Attends. Mais arrête. Je trouve que ça fait très mode comme tenue. Mais là tu vois, je trouve que c'est ça, ça va super bien avec la tenue. Mais c'est ce qui fait que je vais pas oser la mettre. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est too much. D'accord. Alors que là, c'est quand même toi. Totalement la vibe. Genre là j'ai envie de sortir. Quand on a un outfit, on essaye d'en faire plusieurs. Donc avec ce que j'ai en dessous, il faut voir si genre y a pas une chemise qui va trop bien avec. Déjà on a trouvé des baskets, on a trouvé des chaussures claires. Je suis pas assez au courant là. C'est dingue, miracle. Je suis pas sûre. Oula. Eh, ça va pas avec les trucs courts cette chemise. C'est pas beau. Attends, j'essaye de voir. Il faudrait un autre truc pour mettre cette tenue. Après, c'est une big chemise blanche. Et du coup, une grosse. Ouais. Pas celle-ci. Bien épaisse. Ouais. Mais même avec la noire, c'est ok. Ouais. Mais ce sera mieux blanc quand même. Parce qu'avec les baskets blanches, je trouve que ça fait plus doux. Ok. Ce short, il fait vraiment safari par contre. Ouais. Ok, bon, c'est pas la tenue de l'année, mais je pense avec la bonne chemise, ouais, ça pourrait être bien. Bah, en vrai. Je suis trop nulle là. Je suis pas à l'aise. Peut-être avec juste ça, en vrai. Bah. J'aime beaucoup. T'aimes pas? Mais avec les baskets. Ah ouais, bah moi c'est ça que j'aime bien, je crois. Je suis pas très à l'aise avec mes yep là. Genre c'est grave féminin et tout. Et là. Putain, ça c'est pas mal. Mais jamais je sors comme ça là. On dirait une Polly Pocket. C'est beaucoup trop habillé. Je vais pas sortir comme ça dans mon gré. J'essaie de caser, mais je sais d'avance. Bah, ça me choque pas. Si ça te choque pas, alors on peut valider. Avec cette jupe, il faudrait faire autre chose. Ah, je sais. La bleue à l'intérieur. Bah, ça me choque pas. C'est ok en vrai. Ouais. Je crois qu'en fait, cette jupe, elle va avec ses chaussures. J'aime cette tenue. Moi aussi, j'aime. Putain, lunettes. J'aime quand on aime. J'aimerais caser ces lunettes quelque part. Ce sera pas là. Je suis sûre que c'est ça que c'est. Mais c'est les meilleures lunettes de soleil du monde. Ça change tout. Ouais. J'adore cette tenue. Juste là, je mets un débardeur noir en dessous, un petit bandeau noir. Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Même avec les sandales, hein, franchement, c'est pas choquant. Est-ce que c'est adapté pour la Corée quand même? Ça fait pas trop travail? Ah non, ça me choque pas. Avec le sac, ça va être trop beau. Ouais. Trop beau. Bah en vrai, ça marche super bien. Elle est trop belle la tenue. C'est pas ce qu'il y a de plus féminin, quoi. Mais en même temps, là, on voit bien la jupe, donc. Ou alors avec les baskets et. Sinon, je peux essayer avec ça. Essaye. C'est mieux quand même, non? C'est trop beau là. T'es sûre? Ah ouais. Ça me fait pas des vieux pieds là? Non. Ah, je sais pas. Ah, je suis trop mitigée. Ah, moi aussi. J'aime bien. Et en c'est même temps, à la fois dis, bien, à la fois on mélange trop là. En fait, ça c'est trop bien. Ouais. Mais c'est très sérieux comme tenue. Hein. Et là, je trouve que c'est ridicule. Là, il faut des trucs beaucoup plus décontractés. Là, c'est très. Beaucoup là. Ouais. Ça, ça va bien. Ouais, j'aime bien. Ça, j'aime. Le seul problème, c'est les chaussures. Sinon, je me dis basket. De toute façon, c'est confortable les baskets. Décontracté, pas trop habillé. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime. Ouais. Ça, c'est moins en une tenue. Ouais. Et tu trouves pas que c'est pas féminin? Non. Ah non. Est-ce que ce serait pas plus joli avec un haut un peu plus ouvert? J'en ai un là-bas. Bon, il est transparent, mais bon. C'est pas mal en vrai. Bah, moi, je préfère. Ouais. Sauf que pour le coup, là, ça fait plus féminin du coup. Ouais. Je pense que ça rend bien, hein. Même avec les baskets, moi, ça me choque pas. Hein. Ça fait très cool, mais féminin, je trouve. Oh, j'aime. Là, le problème de ça, c'est joli, mais ça fait très classique du coup. Ça. Mais tu préfères lui. Oh, j'aime bien. Ouais. Et je pense avec ça, il faut ça. Parce qu'elles sont toutes douces, genre pareil. Dans les mêmes tons, ouais. Ah, j'aime bien cette tenue. J'aime quand j'aime on aime. Bien ce haut, je trouve que ça change. Est-ce qu'on essaierait pas de créer un truc dans un style complètement différent avec ce pantalon? Ah mais oui, mais je me rappelle quand on est arrivé en Corée l'année dernière, j'avais que des looks où j'étais toute nue et on s'était dit, il pleut, je n'ai pas un pull. Ouais. Tu savais même pas quoi mettre. Donc il faut quand même pas faire l'erreur. Mais du coup là j'ai quand même pas de look avec des vestes. Là c'est bien hein. Ouais, je trouve que c'est bien. Je devrais mettre ça même là pour le travail. Les couleurs elles changent en plus. Mmh. J'aime bien cette tenue. Parce que c'est ça que j'avais pris comme veste. Le problème c'est que c'est noir. Et là c'est pas très féminin quand même. Après, il y a aussi avec ça, je peux très bien mettre un blazer par-dessus. Et si j'ai veux essayer.
Limite, on va le prendre en photo aussi. Ouais. Bah, en vrai, c'est bien. Ça passe, hein. Ouais, je trouve. Ok. Là, en gros, le secret pour que ça reste un tout petit peu féminin, c'est de ne pas mettre de big chemise par-dessus. Parce que sinon, là, je suis en sac à patates. J'aurais tenté ça. Bah, ça passe, mais... Je trouve que ça ne matche pas avec le style de la tenue. Et ça va être incroyable. Comme toujours, on peut rien y faire. Ça, tu peux grave mettre juste sur tes épaules. Ça n'est pas un peu trop daronne? Franchement, non, comme chaque fois. Et en vrai, avec ça, je pense que c'est bien pour quand il fait froid. C'est des tenues simples, genre même tu peux vlogger et tout avec. Et c'est féminin. T'es pas convaincue? Si, moi, mais moi j'aime, mais j'ai l'impression que c'est mieux. Je te jure que c'est bien. Ah! Ah! Changement d'ambiance. Si je mets mes sandales noires avec jean large, c'est beau. Ouais. Et là, je mets des petits hauts genre noirs. Ouais. Basique, mais efficace. Ah, ça va être trop bien. Ouais. Ces chaussures, elles sont tellement belles avec un pantalon long. Ça, c'est bien. Je pense pas qu'il faut rajouter un truc. Si, au moins, ça rajoute un petit truc. Je trouve. Un sac brillant. Non? T'aimes pas? Je suis pas convaincue à 100%. Mais ça me choque pas non plus. Mais... Regarde. Et vu comme j'aime pas qu'on soit en désaccord. Je te dis que c'est bien, mais ça. Je veux que tu me dises que c'est bien. Je suis fan. Non mais c'est pas choquant non plus. Non mais après je pourrais choisir un autre sac, mais oui. Tu peux le prendre en photo comme ouais. Ça. Ça c'est bien, mais les chaussures, c'est un problème. Ouais. Ignoble. Horrible. Avec les autres, c'est super bien, mais c'est ultra bien. Tu vois, c'est ultra bien. Et cette jupe, elle est trop belle, mais avec les bottes, sinon c'est pas casable. D'accord. On oublie. Alors ça... Attends. Vraiment une chemise. Et elle peut être oversize, je pense. Ouais. Là, le problème, c'est que si je mets mes petites claquettes, ça va pas faire terrible. En vrai, c'est ok. Pas trop fermer la chemise. Faut la laisser un peu... Ouais. Ouais. Ah ouais, de ouf. Une telle de plaid. J'aime quand c'est clair. Parce qu'on peut pas la faire avec autre chose. Ah ouais. Quels sont les codes? Ah. Ah, je sais pas. Ah non. Bon, bah, pas tennis bleu. C'est dommage, la couleur, c'était beau. Ah, mais attends, faut essayer la noire, du coup, voir si ça va. C'est ça qu'il faut, parce qu'en fait, elle est courte, là. Ouais. Et au final, c'est ça qu'il faut. Même derrière. Ouais. Parce que les autres, elles sont super longues derrière à chaque fois. Et là, elle est ouverte. Ouais. Il y a moyen que ça passe. Ah, c'est bien. Je pense que là, je suis prête à partir. Je vais juste acheter, genre, 2-3 petites chemises un peu colorées. Ouais. Genre, même un débardeur, genre jaune, un truc comme ouais. Ça. Que je puisse mettre même avec mon jean. Ouais. Ça peut être bien. Parce que même pour cet été, ouais. J'avoue que j'ai pas grand chose en haut et tout. Bon, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je suis prête pour la Corée. Ça arrive très vite, vous êtes pas prêts. Et du coup, vous pourrez voir cette tenue sur Instagram. J'essaye de devenir Instagrammeuse, j'ai l'impression, mais... je sais pas si ça fonctionne bien. C'est compliqué. Non, en vrai, c'est un plaisir ouais. De faire ça, parce que du coup, on va pouvoir avoir des petites photos des tenues. C'est trop cool quand tu te prépares le matin, t'as tes tenues. Et pour faire la valise... Beaucoup plus simple. La valise, ça change tout. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine, une par jeudi dimanche. Il y a la Corée, le Japon, tout qui arrive. Franchement, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et à mercredi, dans une prochaine vidéo. Au revoir, Marina.